Si je devais résumer l'ensemble des données qui vont vous être présentées, je dirais que les résultats sont bons sur le plan sanitaire. Même si nous restons prudents, même si nous ne pouvons pas courir le risque de la désinvolture, les nouvelles sont plutôt bonnes. Nous en sommes là où nous espérions nous trouver à la fin du mois de mai. Et en réalité, c'est même mieux que cela. Nous sommes un peu mieux que là où nous espérions être. Les nouvelles sont donc bonnes. Bonnes, mais pas suffisamment bonnes pour dire que tout redeviendrait normal. La liberté, enfin, va redevenir la règle et l'interdiction constituera l'exception. Nous avons ainsi notamment décidé l'accélération de la réouverture des écoles et collèges dans toutes les zones et des lycées dans les départements verts. Le ministre de l'Éducation nationale y reviendra dans un instant. La réouverture des cafés, des restaurants, des bars, le retour progressif de la vie culturelle et sportive avec des contraintes spécifiques dans les zones de vigilance orange. La réouverture des parcs et jardins en zone orange. Mais cette liberté retrouvée implique des contraintes qui sont en quelque sorte des contreparties. La limitation des regroupements à 10 personnes dans l'espace public est maintenue. Le principe du recours au télétravail doit toujours être privilégié, on le comprend bien. Le respect des gestes barrières, surtout, doit rester très rigoureux. Et le port du masque est maintenant largement recommandé par les autorités sanitaires. Nous continuons, et j'en suis désolé, mais c'est mon devoir, à limiter les formes de la vie sociale les plus propices à la transmission du virus. Les sports de contact, les boîtes de nuit, les regroupements de très larges publics. En particulier, le ministre le dira, il faut éviter les rassemblements de personnes dans les lieux couverts et sans organisation adaptée. Enfin, il faut continuer de veiller aux personnes vulnérables et leur demander de poursuivre leurs efforts pour se protéger. S'ouvre aujourd'hui un nouveau front et que le pays va devoir se battre contre l'impact d'une récession historique. Les chiffres présentés par Pôle emploi ce matin l'attestent et sonnent l'urgence. Le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi et qui n'ont pas travaillé du tout en avril a augmenté de plus de 800 000 par rapport à mars. C'est malheureusement historique. Le déconfinement va donc nous permettre de reprendre une vie presque normale, de souffler après l'épreuve, mais il doit aussi sonner la mobilisation de tous, le moment d'une reprise vigoureuse, organisée, déterminée. Nous aurons l'occasion d'y revenir.